Voilà, comme ça on s'attaque à la dernière heure de ce live, et oui, forcément. Live court pour l'instant. Ah merde, il faut que je les attende. Ah non, c'est moi, elles vont repop. Cool. Donc voilà, on retourne vers Nibelheim. Bon, ça va être encore le bordel à Nibelheim, hein. Faut s'y attendre. Forcément, pour tous ceux qui connaissent FF7, tout le monde sait un peu ce qui va s'y passer. Voilà, je crois qu'on est à Nibelheim, c'est bon. On est safe. Waouh, c'était quoi ce truc? Ce truc blanc. Ok, bah bonne nuit à toi, repose-toi bien, Ura, et puis bah merci d'être passé. Où est passé Sephiroth? Avec sa matraque, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a juste un ton fan, mec. Un problème? Désolé, mais je peux rien te dire. Les secrets défense, ça m'étonne pas. Je vais demander aux gens s'ils ont vu Sephiroth. Ouais, d'accord. Là, par contre, je réfléchissais, j'ai l'impression que Mikuya, il marche plus, il est plus activé. Normalement, il est activé, mais... Merci, Tifa. Je vais regarder ça. Et Mikuya, pourtant, est présent. Voilà pour vérifier. Ouais, donc si, il est activé. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la dernière fois aussi, j'ai l'impression que ça a pas mis. Ah ouais, putain, t'es pas loin du 42. Mais carrément vrai, ouais. Y a même pas 200 points quoi, t'es à 180 points, un truc dans le genre. Ah, ça va être le blabla. Bla 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 bla. Allez, baston. Mais on l'a pas vu lui, pourquoi il était pas avec nous? C'est ça que j'ai pas compris. C'est lui qui avait le casque. Ah, il avait son I'm casque. safe. Don't worry. If only I were soldier. Zach? Soldier is like a den of monsters. Don't go inside. What happened? I don't know, man. I thought I knew, but... By the way, do you know Tifa? Sort of. Talk to her? No. I'm sensing some issues here. Shouldn't you do something? C'est du lourd. Bon, il parle, le mec. I'm one to talk. Moi j'avais une copine à Erif, mais je me suis barré. Fighting's all I do. Sorting things out is someone else's job. What's going on? Who's the enemy? It makes no difference to me. Hey Zach. You know, I've never seen you use that. La petite musique d'ascenseur. Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're a little more important than my sword. But just a little. Embrace your dreams, and whatever happens, protect your soldier honor.
like this is a symbol of my dreams and honor. No, it's more. That's right. I had almost forgotten. Thank you, Cloud. Huh? Right! Ouais, et dire qu'elle va finir par lui revenir. I'm gonna crash. Night. Night. Allez, cool, c'est l'heure d'aller se coucher. Voilà, bah c'était un bon live, on s'est bien amusé. C'était le retour de FF. Ah! Non, c'est pas vrai, je bitonnais. Attends, on avait la musique limite ascenseur et là on se retrouve avec la musique. Là, on est vraiment dans le thème FF7. Laisse-moi me reposer encore un peu. Bah, c'est bon. Bah, pourquoi tu t'es levé alors? Sérieux, le mec? Ah, ça faisait longtemps. Mais non! Ça faisait longtemps! On a eu deux. Salut Zack, ça te dirait de venir chez moi, comme ça tu goûteras au plat de ma mère. En fait, je ne suis pas rentré chez moi depuis que je suis ici. Je n'arrivais pas à me décider, mais finalement je me suis dit que je ferais bien d'y aller. Par contre, je n'ai pas envie d'y aller tout seul, alors j'espère que tu voudrais bien m'accompagner. Ouais, d'accord. Tifa, est-ce qu'il va bien? Comment elle a piraté mon téléphone? Est-ce que ce garçon va bien? Je me fais du souci parce qu'il avait l'air mal en point. Heureusement que tu étais là, Zack. Merci du fond du cœur. J'avais entendu dire que les membres du soldat étaient de vrais costauds. J'espère qu'on pourra parler plus longuement du soldat un de ces jours parce que je voudrais te demander quelque chose. Ouais, en gros, elle veut demander si je connais Cloud, etc. Mais en fait, c'est lui, Cloud. Elle s'est pas rendu compte qu'elle a aidé Cloud à se barrer. Apparemment, Sephiroth se trouve dans le manoir Shinra. Le grand manoir. Oui, il appartient à Shinra depuis longtemps. Merde, c'est chiant, on va devoir y aller. C'est chier, il y avait Cloud qui nous avait invité à manger chez sa mère. Oh. Ah, c'est Aerith. Aerith? Aerith? Y'a plus de réseau. Vas-y, y'a pas de chef. Listen, now's not the best time. I'll call you later. No, no. You don't have to. Okay. I'll come visit. I'll be here. I'll see you. I promise. Non, il faut jamais faire des promesses qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire. Hey Riff, attends-moi encore un peu. Ouais, je sais, je me dépêche. Le photographe, il a pas bougé, le mec. Et il y a quand même des trucs avec des rues et tout, genre. Sérieux. Il doit être 10 pécores à habiter dans le coin. Pour les piafs, c'est pas le moment de faire chier. Complete result. Ah, le manoir. Non mais stop, oh je me suis pas trompé cette fois-ci, mon cerveau a réfléchi. Un message pour toi, c'est notre ami Kunzel. J'imagine que tu es très occupé avec ton affectation, c'est bien plus lourd que ce qu'on pensait. J'avais décidé de tenir compagnie à Huif pendant ton absence, mais les Turcs étaient déjà là pour la surveiller. Je ne sais pas pour quelle raison. Elle m'a dit que son chariot à fleurs avait perdu une roue et qu'elle ne pouvait donc plus l'utiliser. Je lui ai proposé de le réparer, mais elle a refusé, elle attend que tu reviennes pour t'en occuper, alors dépêche-toi de rentrer. Ah, c'est ça qu'elle voulait me dire au téléphone. Elle voulait dire, elle fait chier, mon chariot il est pourri. Je suis sûr qu'elle a fait exprès en plus. Elle l'a cassé volontairement. Oh, Sisney et Tifa. Es-tu à Nibelheim? Non, en ce moment je suis en mission dans un endroit glacial, moi aussi. En fait, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu lisais Loveless quand on était à Costa del Sol. C'était la pièce préférée de Genesis, non? As-tu terminé de la lire? Je parie que tu as trouvé ça ennuyeux à mourir et que tu as arrêté en plein milieu. Loveless se joue à Midgard en ce moment. Allons la voir quand tu seras de retour. Qui sait, peut-être trouveras-tu les réponses que tu cherches. D'accord. Sephiroth, je n'arrive pas à le cerner.
Est-ce que tout le monde est comme lui au soldat? Est-ce qu'il n'y aurait pas un jeune blond parmi vous? Ah, je le savais, voilà, elle va me demander Cloud. Bah, c'est juste un rêve, n'importe quelle fille aimerait qu'un jeune homme blond du soldat la protège en cas de problème. Comme il vaut mieux ne pas attendre que mon chevalier blond vienne me sauver, j'ai appris à me battre toute seule. Mon prof m'a même dit que j'étais doué. On s'en fout de ta vie. Dis que tu connais Cloud et c'est tout. De toute façon, maintenant, nous, on le sait. Le mec, il s'est balancé, de toute façon, alors... Bon, petite save, hein, par sécurité. On ne sait pas ce qui nous attend. Bon, je pense que cette fois-ci, on a fait les 10 heures de jeu. On doit pas être loin. Apparemment, Sephiroth serait dans la pièce de droite au premier étage. Ok. Bon, elle me saoule là, me harceler. Collaboration avec Sephiroth. Oh, bonjour Zach, j'ai entendu dire que vous étiez parti en mission avec Sephiroth. Je me demande ce que vous vouliez. Je me souviens que vous vouliez lui parler, donc j'imagine que c'est fait maintenant. J'ai aussi entendu dire que c'est Sephiroth qui vous avait choisi pour cette affectation. Maintenant que les principaux premières classes du soldat ont disparu et que Sephiroth n'est pas du genre à se soucier de ses subordonnés, je pense que c'est vous qui allez prendre le relais. Vous allez grimper les échelons, je vous suivrai jusqu'au bout, Zach. Ouais, d'accord. On a une vie, nous, on travaille, quoi, on bosse, sérieux. Mais stop, arrêtez! Et il y a un message tous les trois pas, on peut plus monter un escalier tranquillement. Et encore elle, j'ai failli oublier, ne dis à personne du soldat que j'ai posé des questions sur un blond, d'accord? Bah ouais, t'as peur que je demande à tous les blonds. Sérieux, quoi. Fou de ma gueule. Trop de ma gueule. Il n'y avait pas un passage secret, tiens, en fait, ici? C'est ça, allez, voilà. Je me disais bien. Je savais qu'il y avait un truc bizarre dans cet endroit. Bah forcément. La musique qui colle tellement pas au combat. On sing. Eh bah non. Ah, on a quand même droit au triple 7, cool. On l'aura pas eu pour rien. Niveau 23, cool. Oh. Ah, c'est vrai que c'était la clé du cercueil. Oh, on a la clé de Vincent. Vincent serait présent déjà dans cette version? C'est possible? Sachant qu'il est mortel, il me semble. Ah, oh, mais sérieux, saloperie. Quoi, cette vieille tortue lézard? Ah bah, on a le droit à une deuxième clé, donc... Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est lié? Et c'est vrai que dans le FF7, il n'était pas obligatoire de le débloquer non plus. Allez, petit combo avec Andia. Ah, 3. C'est vrai que j'avais fait... Ah, oh, soin plus, c'est bien. Niveau 3. C'est vrai que j'avais fait... J'avais mis exprès mes matérias plus. Ouais, d'accord. Ah, qui sont? Somme. Ah, on est... Sérieux, on est venu juste pour ça? Mais pour lui, sa gueule. Oh. Ouais. On est venu que pour ça. C'est pas grave. Allez, crève. Bon, c'est pas grave parce qu'on a pris quand même un niveau, on a monté la soin plus. Donc, mine de rien, c'est pas du gâchis. T'es pas là, c'est ça?
Il avait dit la pièce à droite. Ouais, j'avais pas des croix, des clés, des croix. Je suis en train de lire le zoomer déplacé. Ça sert à quoi? Ah, on peut faire comme ça aussi? Quel est l'intérêt de pouvoir faire ça? Savoir qu'il y a un truc qui se déplace là? Non. Alors je sais pas si c'est un intérêt. Je ne crois pas. Bon, je sais pas, ça a l'air d'être au passage. Lui, il est là-bas. Est-ce qu'il est là? Il était là, Cloud. Il a à dire. Il se passe quelque chose avec Sephiroth. La porte du passage souterrain était ouverte et je crois qu'il y allait, mais... Il se fout de ma gueule, il n'y avait rien en bas. Il se fout de moi, j'ai raté quelque chose. Merde, le mec qui a voulu tourner la caméra. Là, je comprends plus rien. Alors, si rien, ah si, il y a une échelle. Peut-être que c'est ça. Je l'avais pas vu. Elle est bien camouflée. Elle est au prix d'échelle. Ah voilà, c'est ça. Je me disais bien que j'avais raté quelque chose dans ces... Ok. Activating combat mode. Alors, il y a l'air d'avoir une porte là-bas. Il aurait pu nous suivre, Cloud. Merde, j'ai raté. Ah, c'était bien carré pour l'esquive. Bon, je pense que de toute façon, on finira pas le jeu ce soir, mais la prochaine fois, on devrait pouvoir le finir. Mais je trouve que la musique elle colle pas ici dans cette cave. Trouve ça trop lugubre. Ah! Circuit. Potion X. On peut ouvrir les cercueils. Ça ne s'ouvre pas, il doit falloir des clés de cercueil. Ah merde! Des cafards! Des cafards géants! En plus, je l'ai one shot. Bande de Beatles pourris. Mais non. Dis oui. Ils savent la curiosité qu'on va regarder de toute façon pour voir s'il n'y a pas Vincent. C'est obligé. N'importe qui de censé le ferait. Ah, c'est les deux seuls qui s'ouvraient. Sûr que c'était ça l'idée. Voilà, parce qu'on peut pas ouvrir les autres de toute façon. Donc je pense que c'était ça l'idée. De dire ouais, on va le faire, on va tenter notre chance. Non, jamais les autres, on peut pas. Après, il y en a peut-être d'autres ailleurs, attention. Ah ouais, il y a d'autres portes. En même temps, on vient pas pour rien, il y a de l'item. Bon, c'est toujours les mêmes qui souffrent, je pense. Ouais, ça pue la carotte, il va y avoir que ça à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Je suis preneur. Franchement, je suis preneur et ça coûte rien de pas tester.
Oh. Il était vraiment là. Quelqu'un dort là-dedans. Je devrais peut-être le laisser tranquille. Ah non, c'est dégueulasse, c'est juste une référence, on n'a pas le droit. Ah non, c'est salaud. On n'a même pas le droit de le voir. Oh, c'est dégueulasse comment on n'a pas le droit de le voir. Même pas un petit bout d'image. Ah non, ça c'est salaud. Alors par contre, je sais plus de quel côté je viens. Je crois que c'est par là. Mais viens là, toi. Oh le... Oh là là, l'esquive. L'esquive de ta race. Ah non, j'ai pas fait le 4-21. Good luck. Mais marche pas sur les fleurs. De où il parle? Oh. Alors, est-ce que c'est par là, il me semble? Un doute. Non. Je me suis fait carotter. Revenu en arrière, ben voilà, comme par hasard. Comme quoi, voilà, sans map, moi je me pomme. Ça, c'est pas nouveau, ça a pas changé. Ah, mais non, mais pas encore à Erif. Oh, triple 7 encore. Putain, on a pris 3 levels en 3 vidéos, mais c'est pas mal tout ça. Niveau 24, ben, c'est bien, on monte en puissance. Tiens, question, est-ce qu'en New Game Plus, on récupère. Ben, est-ce qu'on garde notre niveau? C'est une bonne question, ça. Ouais, par contre, on peut pas monter plus avec ça. Faut avoir le buff de Ney, là, je sais pas quoi. Ah oui, il y avait l'escalier, donc c'est bien par là. Merde, putain, je prends les seuls chemins à chaque fois où il y a un mec. Mais bon, on va rien dire. Franchement, on va rien dire. On a pris du level, etc. Et ça doit être par là. Mais encore. Mais en plus, on a trouvé Vincent, même si on l'a pas vu. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. À quoi brûle? Ah bah oui, un petit dernier pour la route avant de passer la porte. Est-ce qu'il y a une main, lui? Sérieusement, quoi. Ah, voilà notre ami. Une forme de vie en état de végétation retrouvée sous une couche de roche vieille de 2000 ans. Le professeur Gast a baptisé cette forme de vie Genova. Confirmation que Geneva est bien une ancienne. Projet Genova approuvé. Réacteur Mako 1, autorisation d'exploitation obtenue. Le nom de ma mère Genova, le projet Genova, n'est-ce qu'une simple coïncidence? Professeur Gast, pourquoi ne m'avons rien dit? Pourquoi êtes-vous mort? Alors mon gros, on a des problèmes? Il était où le coffre? Oh, il y avait un coffre. Je veux rester seul. Il est chiant, lui. Genre, on est venu jusqu'ici et pour nous dire je veux rester seul. Je l'ai. Non, il y avait le coffre. Je veux le coffre. À partir de ce jour, Sephiroth ne sortit plus du manoir Shinra. Il se mit à consulter tous les documents comme si sa vie en dépendait.
Les lumières du sous-sol ne s'éteignaient jamais. Et le septième jour. Il est tout cramé. L'animélème est en feu. C'est Sephiroth. Bon, faut quoi... Ah bah il est là, j'allais dire faut aller chercher au manoir, mais il est déjà là. Il a pété les plombs, ça y est. J'arrive. Oh, la fameuse cinématique. Je crois que c'est l'image la plus connue de Sephiroth. Avec Masamune. Ah, je passe dans les flammes. Comment as-tu pu? Sephiroth, qu'est-ce que tu as fait? Mais rien, le mec il joue avec des allumettes, c'est bon, il s'est raté. Tu le fais au village. Ça arrive. Ah oui, on va falloir qu'on retourne au réacteur Mako, c'est ça? Il y a des drôles de monstres qui ont pop d'un coup. Hey, Mastent. Oh, il... Calmez-vous bien, les monstres. Oh. Est-ce qu'il met le cafard? Le bruit de cafard. Ah bah oui. On va se débarrasser des piafs, ça fera moins de dégâts, voilà. Comme ça je peux le déchirer. Soyons stratégiques dans le bourrinage. Je pense que c'est la base. Ah, ça faisait longtemps. Cloud, Zack, où es-tu? Sephiroth a mis le feu au village. Bah sérieux, Tifa et son père sont partis à sa poursuite, tu dois faire quelque chose. Bah c'est ce que je suis en train de faire, putain. Sérieux. Genre, les écouter, je suis en train de me blander. En plus, on vient de se croiser. Il se foutrait pas un peu de ma gueule? Et moi, où il se foutrait un peu de ma gueule? Ah, il m'a resten. Ah merde, je me prends une phase de modulation à ce moment-là. Avec notre ami Cloud. Ah, saloperie. Monsieur dégueulasse. Un coup de foudre. Coup de foudre à Nautiling. Ah mais encore. Mais ils sont relous. Ah, j'ai le droit à la face quand même pendant le truc. Ah, Zeng, on l'a pas encore vu, Zeng. Bah voilà, ils viennent tout casser. Mais on a soin plus. Ah non, c'est acuité en deux. Ah oui, il y a les passifs, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai moins de magie. Non mais stop me stun là. Oh, une nouvelle invoque. Un nouveau Bahamut, oh oui. Méga Atomium niveau 2, putain, on l'aura vu deux fois ce soir. Moi qui en ai jamais. Je pense que ce sera un beau finish pour cette vidéo comme ça. Vu que je pense après on va arriver à la save. On va la faire et s'attaquer à la dernière partie du live. Ça c'est pas cool. On aura le droit deux fois à Bahamut ce soir. Sans avoir à l'affronter, on l'aura vu. Un petit frite aussi aurait été sympa. On n'a pas encore débloqué, je crois qu'il y aura Shiva et je ne sais plus qui est Oda. J'ai un doute. Je ne sais plus qu'est-ce qui reste. Je me demande s'il n'y a pas Alexander aussi.
Bam. Ouais, quand tu vois que ça fait 2000 de dégâts, c'est un peu ridicule quand même. Sachant que je mets deux coups, ça va 10 fois plus vite, mais ça n'a pas la même classe. Là, le Alors, je me demande si j'ai pris le bon chemin quand je vois ça, ou est-ce qu'ils m'ont mis à l'envers. Là, c'est la question que je me pose, mec. Non, ça a l'air d'être bon. Entrée du réacteur des Libellaires. Ouais. Je me demandais justement si on aura un dernier combat ou pas du tout. Allez, dommages collatéraux, on va essayer de gérer. Non, il n'y a pas moyen. Mais non, gâche pas ça sur lui. Ah merde, en plus ils récupèrent de la vie sur foudre. Je croyais que l'électricité marchait bien sur les types vol. Ça me semblait plausible. Mais en fait, on dirait que non. Je me suis carrément raté. Ce serait que les mechas. Là, on a obtenu un foudre plus. Bah, c'est bien, ça nous en fait deux. On pourrait faire un foudre X. Ou encore une invoque. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est quoi? C'est Chocobo? Bon, on la verra pas de toute façon. Mais... ça va faire un enchaînement, voilà. Genre, avec le combo, ça l'a pas fumé. Sérieux? Ah, la save. Ah bah non. Il y aura un petit combat avant. Avant de s'attaquer à la dernière partie. Voilà. Voilà. Ok, on a passé les 10 heures de jeu, cette fois-ci c'est officiel. Et on se retrouve à côté du réacteur Mako. On va comprendre un peu plus pourquoi Sephiroth a pété les plombs. Voilà, il va peut-être parler un peu plus. Et donc on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de ce live FF7 Crisis Course.